Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Geoguessr. Aujourd'hui, on va se faire une chasse au trésor, mais cette fois-ci, on va faire un truc un peu différent par rapport aux dernières fois. Euh, je vous rappelle, la dernière fois, euh, comment on fonctionnait, c'était très simple on avait 5 objectifs, il fallait en trouver un par round pour pouvoir passer au round suivant. Et le premier euh, à finir, euh, euh, à, à trouver les 5 objectifs le plus rapidement possible, avait gagné. Là, euh, ça va être différent, euh, comme vous le voyez à l'écran, la grille est déjà plus grande puisqu'il n'y a pas 5 objectifs mais 25 objectifs. Alors je vous rassure, on va pas besoin de le tous les trouver. L'idée c'est que chaque objectif vaut un certain nombre de points, et qu'il va falloir donc trouver un maximum de ces objectifs dans le temps en partie pour pouvoir accumuler le plus long nombre de points. Donc là cette fois-ci on est plus sur le principe de le premier à avoir trouvé les 5 objectifs à gagner, mais plutôt le principe de le celui qui aura trouvé le plus d'objectifs, et donc avoir gagné le plus de points, aura gagné. Donc pour procéder à cette partie. Alors on va générer une partie de Juggers avec un timer cette fois-ci, donc il y aura 5000 par round et euh, pendant les 5 rounds il va falloir qu'on trouve le maximum d'objectifs, sachant que ceux-ci sont cumulés dans toute la partie, hein. c'est-à-dire que si jamais vous trouvez par exemple la station service au premier round, et qu'ensuite vous trouverez une autre station service au second round, vous n'avez pas besoin de le ravalider. ça ne vous donnera pas plus de points. Il faut juste le trouver au moins une fois dans les 5 rounds. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas besoin de garder euh, tel ou tel objectif pour des rounds, Suivant ou pas, non, il n'y a pas besoin. Là, fois-ci vous trouvez un truc, vous le validez instantanément. Comme ça, vous, vous empochez directement les points. Donc, vous avez euh, 25 objectifs, vous voyez qu'il y a à chaque fois un nombre entre crochets, c'est le nombre de points qu'il vaut. Donc, ça vaut soit 1 point, soit 2 points, soit 5 points, soit 10 points, soit 20 points. Il y en a un au milieu qui vaut 20 points. Euh, les autres valent euh, 10, 5, 2, 1. Et donc... Euh, pendant les 5 minutes de chaque round, vous allez devoir les utiliser au maximum pour pouvoir trouver le maximum d'objectifs. Donc en général, vous n'avez pas besoin de passer au round suivant rapidement. Vous voulez vraiment utiliser les 5 minutes à chaque fois et euh, ça correspond donc à une partie de 25 minutes. Donc euh, pour euh, jouer avec moi, c'est très simple. Il vous faut juste un compte Jogosa gratuit euh, puisqu'il n'y a pas besoin de payer pour jouer au Giant Challenge, je rappelle. Et il y a aussi un moyen de euh, d'avoir la grille d'objectifs. Pour pouvoir les valider, alors pour, pour avoir cette grille là, je vais vous montrer comment je fais. Euh, J'utilise le site qui s'appelle Geo euh, Non, c'est pas ici que je vais vous montrer celle-là. Voilà, le site qui s'appelle euh, BingoSync, pardon. Je vais cacher ça. Euh, BingoSync qui en fait permet de créer des, des, des grilles de bingo. Donc en fait, ce que vous voyez à l'écran, enfin ce que vous voyez là, là, c'est une grille de bingo. Et moi, je m'en sers pour faire les objectifs du, de la chasse au trésor. Donc si vous voulez créer une grille, c'est très simple, vous mettez n'importe quoi dans le nom de, de la, du salon ici. Vous voyez, voyez j'ai fait des tests, hein, j'ai mis des fgfg je FG, pas quoi. Password, je vous recommande d'en mettre un euh, juste pour bloquer euh, l'accès parce que sinon les gens vont, vont rejoindre votre grille et ils pourront cocher les cases avec plein de couleurs et ça va vous gêner. Donc je vous recommande de mettre un mot de passe pour éviter que des gens viennent vous gêner. Donc vous mettez n'importe quoi. Alors, en nickname, on s'en fout hein, puisqu'on ne verra pas votre pseudo, vu que personne ne pourra le rejoindre, c'est pas grave non plus. Et le plus important en jeu, vous mettez ici Custom Advance, ça va vous a, afficher ça. Là, vous laissez fixer le board. Et ici, vous allez copier-coller un code que je vais vous mettre en description euh, via un lien euh, PasteBin. C'est un fichier JSON en gros qu'on va copier. Donc, vous le copiez, vous le collez ici. Et donc, là, vous avez en fait la liste des objectifs qui apparaîtra sur la grille. Vous faites Make Room, le reste, on s'en fiche. Et ensuite, vous avez votre grille. Et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour valider. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, si vous voulez. Et après, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez recliquer pour annuler si jamais vous vous êtes trompé de case. Il n'y a pas de problème. Euh, pour information, il est possible de jouer jusqu'à 5 joueurs sur la même grille et euh, chaque joueur verra les actions des autres joueurs en temps réel. C'est pour ça qu'il y a un, même un, un canal de, dis de discussion ici. Hein. Donc, si vous voulez jouer à plusieurs en même temps, c'est tout à fait possible. Comme ça, vous voyez euh, qui, euh, euh, qui a trouvé quel objectif à quel moment et, et tout ça en temps, en temps réel. Donc, c'est tout à fait possible de jouer de votre côté ensemble euh, à plusieurs euh, avec ces objectifs-là mais avec n'importe quel ob autre objectif aussi hein. vous pouvez tout à fait changer les objectifs dans le, le code que je vous envoie il n'y a pas de souci d'ailleurs si vous voulez euh, créer votre propre grille avec vos propres objectifs je vous ai mis un autre lien en description avec un autre site euh... alors comment je peux vous montrer ça bon, je, je vais vous montrer comme ça ce site là euh, il ne paye pas de mine, hein, mais c'est pas grave. Hein. Vous mettez ici dans le, dans le champ texte euh, un objectif par ligne. Donc vous voyez, il y a... vous mettez à chaque fois un objectif. Alors vous mettez n'importe quoi. Hein. Vous mettez, euh, je sais pas, maison, cheval, chien, voiture rouge, enfin ce que vous voulez comme objectif. Et ensuite vous faites get list et vous aurez le code que vous pourrez copier directement dans la case. Attention par contre, il vous faut absolument 25 objectifs. Euh, donc 5, 25 lignes en tout parce que sinon le, le site refusera votre code. Donc si jamais dans l'éventualité, où vous voulez faire un truc avec juste 5 euh, objectifs par exemple, bah vous mettez euh, 5 objectifs, voilà. Et puis après vous mettez, euh, je sais pas, un point par exemple, par ligne. Juste pour créer des lignes vides en fait, et comme ça vous pouvez juste avoir les 5 objectifs comme vous voulez. Donc ça, euh, vous pouvez euh, comme ça faire votre propre grille, ou bien euh, copier ma grille à moi, pour pouvoir jouer en même temps que moi. J'ai fermé tout ça. Et comme ça, ça sera plus simple pour vous, mais sinon vous pouvez tout à fait utiliser un truc euh, de votre côté, hein. vous pouvez écrire les objectifs sur une feuille, euh, mettre un notepad, un bloc-note, n'importe quoi. Tant que vous pouvez euh, cocher les objectifs pour euh, garder votre progression, c'est suffisant. Ok, euh, donc on est parti. Euh, les objectifs sont visibles ici. Je vais les rafficher sur la carte. Donc à chaque fois que vous validez un objectif, vous, vous, euh, vous gagnerez les points euh, associés. Et donc à la fin de la partie, on verra tous les objectifs que vous aurez eu. Vous, vous accumulez vos points, donc vous faites euh, 10 plus 2 plus 1, plus 9, etc. Hein, c'est des additions. Et vous aurez le score lié aux objectifs. à ce score là vous ajouterez aussi un autre score qui est suivi du, euh, du nombre de points par rapport au nombre de points gosseur. C'est le petit plus 1 point par 5000 points que vous voyez ici en bas là. En gros l'idée c'est que euh, à chaque fois que votre score euh, global euh, atteint un palier de 5000, vous gagnerez un point. Alors c'est pas lié au fait de gagner euh, 5000 points par an, c'est pas de faire un score parfait ou autre. C'est par exemple si vous avez un score de 18 500 points à la fin de la partie, sur les 5 rounds, et bien vous gagnerez 3 points. Pourquoi Parce que dans 18 500, vous avez atteint le palier de 5000, 000, 10 000 et 15 000 points. Donc en gros, pour faire simple, entre 0 et 5 000 points, vous avez 0 points, entre 5 et 10 000, 1 point, entre 10 et 15 000, 2 points, entre 15 et 20 000, 3 points, entre 20 et 25 000, exclu 4 points, et si vous avez le 25 000, vous avez les 5 points supplémentaires. Donc c'est juste en gros pour... Vous poussez à mettre un, 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 une réponse dans le jeu, un minimum cohérent. Parce que sinon, euh, s'il n'y avait pas d'objectif lié au point, bah vous mettrez un, une réponse n'importe où, on s'en foutrait. Vous ne même carrément pas de réponse et vous attendrez la fin du timer. Vous passez automatiquement au rang suivant. Là, au moins, ça donnera une raison de, de trouver au moins où est-ce que vous êtes et de mettre une bonne réponse. Bon, la réponse la meilleure possible, au moins, pour essayer de gagner des points supplémentaires. Après tout, c'est un peu le but de Geoguessers, donc on va essayer de garder quand même ce, ce concept. Euh, dans euh, la chasse au trésor de Jugoslav. Ok, donc on est parti. Euh, je ne vais pas vous expliquer les objectifs euh, en vidéo parce que ça serait beaucoup trop long. J'ai essayé de faire plusieurs fois, mais à chaque fois, je, je tapais dans les 20 minutes d'explication. Euh, et c'est un petit peu bête d'avoir une vidéo de 20 minutes et on n'a même pas encore commencé à jouer. Donc à la place, euh, je, vous ai fait, euh, je vous ai mis un autre lien avec la liste des objectifs et les explications. Comme ça, vous pourrez lire euh, tranquillement de votre côté avant de commencer à jouer. Pour être sûr de savoir euh, ce qu'on cherche et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ok, donc on est parti. Euh, je vais vous crée donc le lien challenge. Donc cette fois-ci, il y a 5 minutes, hein, pensez-y. Alors, même si vous avez 0 points, c'est pas éliminatoire. Hein. Comme j'ai dit, il n'y a aucun moment en aucun moment vous serez éliminé parce que vous avez... Euh, parce que vous avez oublié de mettre une réponse ou parce que vous avez trouvé aucun, aucun euh, objectif dans une... Euh, dans un des rounds, c'est pas grave, hein. si vous trouvez rien, c'est pas un souci. Alors je vais juste mettre le lien de mon côté pour que je le garde. Voilà, il se termine bien en .fm. En fm, oui, c'est ça. Donc vous avez le lien en description, vous pouvez participer, c'est gratuit, n'hésitez pas. C'est ouvert à tout le monde. Et puis on est parti. Donc dès que je commence à partir, forcément le temps va commencer à s'écouler. Donc euh, c'est parti, Voyons -ce on va voir qu'est-ce qu'on a comme premier round. Ok, on a de l'eau, est-ce que c'est une rivière J'ai l'impression que oui, c'est en Russie ça je pense. Est-ce que c'est un pont aussi peut-être Ah, ça a l'air d'être un pont au-dessus d'une rivière, pour moi je vais valider déjà ces deux objectifs. Donc pont et euh, rivière, elle est où la rivière Elle est là Non, c'est pas si là Là ah, j'ai pas affiché la grille, voilà, je vous l'affiche. Donc ça fait déjà deux objectifs, un objectif à deux points et un objectif à un point. Euh, c'est pas trop mal, on a le bus, enfin le car ici, on le valide aussi. Les panneaux, en plus en Russie c'est trop bien, les panneaux ils ont souvent des distances assez folles. Donc on va peut-être pouvoir avoir l'objectif des 100 km ou plus. Station service, on valide aussi. Vous voyez, hein, je les enchaîne. Hein. Bâtiment rouge, on en a un ici. Bon, il est un peu orangé, mais on va considérer que la brique est rouge. Donc on va dire que c'est bon. Bâtiment rouge, voilà. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre Un euh, cheval en Russie, c'est possible d'en trouver. Hein. Une voiture de police aussi. Une école. Ah, bah, route à deux voies ou plus, c'est bon. Hein. Là, vous voyez, il y a deux voies de chaque côté. Donc, ça, c'est validé aussi. Donc, il est là. Le panneau de ville, on l'a vu tout à l'heure, je crois. Je suis pas sûr. C'est peut-être panneau directionnel. Je rappelle que le panneau de ville, c'est vraiment l'entrée de la ville, en fait. Donc, ce que je vois ici, là, typiquement. Je peux pas revenir là Si. Typiquement, ça, à mon avis, c'est. Euh... Ulitsa, c'est un nom de rue. ça c'est un nom de rue. C'est pas bon. Ulit ça veut dire rue, donc c'est pas le nom d'une ville. Euh, voyons voir si on a autre chose. Ulit ça encore, donc ça c'est des noms de rue. Ouais, faire attention, alors je sais que si vous savez pas lire le cyrillique, ça peut peu compliqué de savoir si c'est une rue ou pas. Alors ça par contre c'est un pont. C'est pas un tunnel. Vous voyez, on dirait que c'est un peu un tunnel, mais non. Euh, ce n'est pas un tunnel, c'est un pont. Donc je ne validerai pas le tunnel ici. Euh, alors le plus dur c'est vraiment de, de se rappeler de tous les objectifs à faire, hein. c'est toujours un peu le problème. Arriver des centres-villes de quelque chose. En vrai j'ai pas envie d'aller euh, à l'aéroport. Je vais essayer d'aller à l'aéroport, comme ça c'est validé. C'est quand même 5 points l'aéroport. Hein. Oh, ça veut dire que c'est de l'autre côté, alors, attendez. L'aéroport serait vers là-bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Cascade, hein, est-ce qu'on peut trouver une cascade par ici Hmm, je suis pas sûr, <laughs> ça, ça serait pas mal. Euh, le tunnel, faudrait trouver le fast-food en Russie. Je connais pas trop les fast foods russes. Animal de compagnie, validé, c'est un chien. Même s'il a l'air d'être un peu chien errant, c'est pas grave. On peut se dire que quelqu'un pourra l'adopter et il deviendra un animal de compagnie. Alors, Redbus, on n'a pas ça. Hein. Redbus, non. Voici le nom du le drapeau du pays. Donc, si je trouve un drapeau russe, parce que visiblement c'est la Russie. Euh, je suis bien aussi pour ça. Je regarde par là parce qu'il y a l'air d'avoir des hôtels, ce genre de choses. D'ailleurs il me faut que je mette un point aussi pour gagner des points. Hein. Euh, ça a l'air d'être un peu par ici. Je, je suis pas sûr en hein, vrai. Ça a l'air d'être un peu dans le sud là, de, la, de la Russie, par ici. Oula, ça a complètement changé là. Est-ce qu'il y a pas un petit drapeau là Non. Il me faut quoi d'autre Cut de sac, ouais des cul-de-sac, ça pourrait être pas mal aussi à trouver, on est dans une ville après tout. Tiens, ça là, c'est un cul-de-sac ou pas Ah non, c'est pas un, <laughs> un cul-de-sac qui fait une boucle. Là, là, on peut y aller ou pas Est-ce que c'est un cul-de-sac On voit bien, c'est encore une autre boucle. Hum, mmh, ça tourne aussi là. Ah zut. Y a pas de cul-de-sac par là, hein. c'est vraiment que des rues euh, qui tournent en rond. Et donc on n'est pas bloqué. Terrible, hein. Vous voyez là, ça continue, hein. Même si c'est la... la voiture s'est arrêtée, ce n'est pas un cul-de-sac puisque ça continue là-bas. Bon bah du coup on va essayer de trouver d'autres trucs. Bon, pour l'instant ça va, j'ai déjà quand même pas mal d'objectifs. On a encore 4 rangs derrière donc il ne faut pas non plus paniquer comme si euh, c'était la fin du monde qu'on ne trouve pas un seul objectif parce qu'il y a toujours des, des rangs derrière qui vont être différents. Et en espérant, on aura un peu plus d'objectifs. Alors, j'aimerais bien quand même être sûr de la région de la, de la Russie là. Ah là c'est un cul-de-sac. Ok là c'est un cul-de-sac, vous voyez, on peut pas aller nulle part. Drapeau russe, donc on valide le drapeau, on valide le cul-de-sac. Alors le cul sac est là, le du pays est là. Euh, par contre je me suis bloqué dans ce cul-de-sac, c'est pas terrible. Faut que je ressorte de ce quartier. Qu'est-ce qu'on peut retrouver encore Un cheval ici peut-être J'ai peur que ce soit le grand est quand même. Encore un autre cul-de-sac ou pas Oui. <laughs> voilà du cul-de-sac il y en a, hein, c'est pas un problème. J'ai vraiment peur que ce soit dans le, dans le grand est. Le divostok sort de choses. Ça se trouve c'est même pas là, une, une rivière que j'ai trouvée. Hein. Si j'ai mis sur la carte je remarque que c'est pas une rivière. Dans ce cas-là, je. J'annule le truc. Je pense que je vais plutôt mettre par là. Je risque gros, je sais. Alors, on va tenter Kabarovsk, il y a une grosse rivière là-bas. Ok, bon. <laughs> Au final, dans les deux cas, j'étais pas dans le bon côté. Donc, c'était Quantimanisque. Et là, c'est bien une rivière. Donc, je, je peux garder l'objectif de la rivière. C'est pas de souci. Par contre, l'aéroport, je sais pas où il est. Je pensais y avoir. C'était marqué aéroport, ça là. Ah, il est là. Il fallait y tourner à un moment donné alors. Ah oui il fallait les là hmm, D'accord je l'ai raté ici ouais. Dommage pour l'aéroport il était pas très loin en plus hein. Franchement si on tournait à droite ici dès le début Tac on validait l'aéroport C'est quand même 5 points et puis, euh, et puis voilà pour le reste Bon euh, alors les faits de je l'ai peut-être vu Mais j'ai pas fait gaffe Le repoint aussi Donc il y a des objectifs que j'ai pu peut-être rater C'est pas grave ça arrivera à tout le monde ça euh, c'est pas un souci. Et par contre niveau points Bon voilà bah là pour l'instant je suis pas encore Prêt de gagner un premier point bonus pour le score mais bon, il reste encore 4 randes, donc on est parti pour le suivant. Alors, où est-ce qu'on est ici On a des bus, on a du cheval. Qu'est-ce que c'est que ce beau cheval C'est bien ça. Hop Bon, ça tout le monde l'aura, hein, c'est facile. On dirait le Guatemala. Ou le Mexique, un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il me faut encore Il me faut un feu rouge, un faut feu de sinisation Ça risque d'être compliqué ici, je pense. C'est quoi c'est je pas à savoir si c'est de l'espagnol ou le portugais. Là. Les, les deux langues se ressemblent beaucoup à ce niveau-là. Il n'y avait pas la distinction spécifique. Après, il me faut quoi Rond-point, véhicule de police éventuellement. Euh, une fontaine ici, je pense qu'on va oublier. Ah, et c'est pas une école ça Institution d'éducation, ok. Éducation basique. C'est techniquement une école ça, il y a des écoliers. Allez, on valide l'école. C'est bien. Panneau de ville, j'ai pas encore vu un panneau de ville, c'est vrai ça aussi. Peut-être qu'on en trouvera un dans, dans ce round là on verra. Un taxi, j'ai pas regardé s'il y avait des taxis en, en Russie. Dommage. Ça aurait peut-être également été un autre truc. Mais bon, après les taxis ça en général ça se trouve assez facilement. Et puis il ne vaut pas trop de points encore. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre euh, Passage niveau à mon avis, non. Les distances sur des panneaux ouais, éventuellement. L Aéroport, ça va être compliqué ici. Un ah oui les nid poule j'ai pas pensé à ça bonne. là il y, y a des distances, non Ah, ça c'est un panneau d'entrée de ville. Bienvenue à Barrio Falabon, ça c'est bon. On peut considérer comme un panneau de ville. Donc on le valide. Ouais, banque, banque, ban rurale, ça c'est euh, au Guatemala en général. Donc je vais déjà mettre un point au Guatemala pour éviter de me retrouver à zéro point à la fin du timer, ce serait dommage. Surtout que Guatemala c'est pas très grand comme pays, donc il y a moyen de gagner euh, 3000 points euh, assez facilement juste en cliquant dessus. Peut-être même 4000. Bon, la route est en bon état, donc il n'y a pas de nid de poule, euh, Feu rouge. Feu rouge validé, hein. Même s'il est éteint, feu de signalisation, il est là. Ensuite, euh, pour l'instant, ça, ça se passe plutôt bien. Élise, ai Viare. C'est quoi ça C'est une... Oh, a... C'est une frontière, non un... C'est pas un péage, hein. C'est un poste frontière, c'est pas pareil, hein. Le reste à Guatemala... Là. Florence c'est une ville qui est dans le nord ici. On est peut-être par là, on est peut-être à la limite avec le Belize. Belize, Belize, je ne sais pas qu'on le dit ça en vrai. Belize, ouais, on est là, on est, je sais où on est. On est ici, c'est la seule frontière euh, où on peut y aller en, en voiture on va dire. D'ailleurs on a la validation du pont et techniquement de la rivière même si on la voit pas trop. On peut imaginer que la rivière, ouais on la voit ici. Hein. Donc si vous n'avez pas la rivière ni le pont, euh, vous étiez bon là aussi. Donc bienvenue à Melkor de Menko, Ça c'est la ville qui est là, hein. c'est ça. Donc euh, j'ai encore deux minutes pour trouver des différents trucs. Je sais qu'on peut dans cette rue-là. Ça a été rajouté il y a pas longtemps. Ce serait View d'ailleurs. Drapeau du pays. Ça c'est valide pour le drapeau du pays. Pour information, c'est le drapeau du Guatemala qu'on voit là. Donc si vous n'avez pas encore le drapeau, euh, vous êtes bon ici. Bon tunnel, je pense pas. Est-ce qu'on a un rond-point dans cette ville quelque part Là c'est un feu tricolore donc il y a pas de rond-point. Il n'y a pas de rond-point dans cette ville, malheureusement. Dommage. Ah, peut-être que là Non, c'est un croisement classique. Après, je sais que les cartes sont pas forcément entièrement euh, euh, justes. Des fois, c'est un rond-point, mais il n'est pas sur la carte. Euh, Fontaine, je pense pas. Péage non. Rond-point non. Véhicule police éventuellement. Ah bah attendez, véhicule police oui, carrément. Si on est proche d'une frontière, on doit avoir de la, de la voiture de police dans le coin. Hein. On a pas une par ici là Il y a un taxi qui est là je l'ai déjà validé le taxi ou pas Non, je le valide. Euh, ça c'est fait. Véhicule de police, s'il vous plaît, il n'y en a pas un par là Alors, il y a un agent ici, mais il n'y a pas la police en tant que telle. Quoique. Non, c'est pas des gyrophares. Là il y a une école, j'ai l'impression, donc ça c'est validé aussi pour l'école, si jamais vous le trouviez. Ouais, il n'y a pas de véhicule de police, ça c'est bien dommage. Là il y a des panneaux de distance, ça, par contre ça peut être intéressant. S'il y a marqué Guatemala dessus ah, alors oui, il y a marqué Guatemala, mais il n'y a pas marqué la distance, c'est ça qui compte. Donc, euh, RIP. Euh, tunnel Cascade, alors Cascade éventuellement, mais bon, là, 20 secondes de la fin, je pense que c'est mort. Est-ce qu'il y a d'autres? Uh, Resto Fast Food, j'ai pas forcément vu. Il y a j'ai pas encore vu non plus. Hein. <laughs> ça, c'est étonnant. J'ai rien au point de départ. Voir si on peut trouver vite fait le. Où Est-ce qu'on commence le, la, non, la station Puma? Je crois que je l'ai vu passer, non? Ou C'était un Texaco, je sais plus. Je vais me mettre ici là. Bon, c'est bien tenté, mais euh, on était juste à côté de la station, j'ai pas fait gaffe. Mais c'est pas grave, 459 points. Donc là, je gagne un point de bonus avec les, les 5-8 points cumulés, puisque j'ai euh, eu plus qu'un point dans le rendu le précédent, donc c'est bon. On verra après à la fin que je gagne deux points. Donc, ouais. Là il y, a... il y a le pont, de la rivière, le feu, feu rouge. Il y a des bus, il y a plein de bus. Il y a pas mal de choses à voir ici. Hein. Moi j'ai pas trouvé grand chose parce que j'avais déjà pas mal d'objectifs accomplis. Mais euh, si vous, vous étiez en manque de trois de, 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 de trucs là, les taxis, les bus par exemple, il y en a pas mal ici. Ça c'est cool. Hein. Dommage pour la voiture de police par contre. J'ai pas réussi à en trouver une euh, euh, autour de la frontière. C'est dommage. Bon allez on passe au suivant. Alors, ici, est-ce qu'on est encore au, au Mexique, euh, un truc comme ça là Les mm -hmm. bateaux et tout, ouais, ok, bon, il n'y a rien de spécial. Il y a la Corona. Ah, il y a la Corona, donc c'est sûrement le Mexique. Alors, il me faut fontaine péage, rond-point. Rond-point, J'ai pas encore trouvé, ouais, il faut vraiment que j'en trouve un. Euh, Véhicule de police. Peut-être qu'on en aura un ici. La distance, ça je veux. Alors, on va essayer de trouver aussi où est-ce qu'on est pour maximiser les points de score. Mexico 200, donc on est dans le sud. Ça ressemble pas mal à ce qu'on avait dans le round précédent d'ailleurs. Donc 200, c'est où c'est là Non, c'est pas ici. 199, 190. Elle est là. Donc Cerro de Ortega, c'est où ça Et Tecoman. Je vais essayer de trouver ça rapidement. Allez ici la... Oui mais attendez la 200 elle est là mais... J'ai l'impression qu'elle s'arrête ici en fait. Après c'est la, la 190. On va voir si on trouve d'autres trucs. Bon c'est pareil. Et par contre euh, des petites distances, non Manzani, c'est où ça parce Que je trouve aucune des villes et c'est ça que j'aime pas trop parce que à tous les coups la 200 elle est Oh non elle est elle suit toute la côte. Ouais, elle suit toute la côte. Bon, faut que je trouve euh, Tecoman déjà. Peut-être une grande ville en vrai. Manzanillo c'est là. Tecoman c'est ici, ok, on est là. Ok, Cerro de Ortega c'est. Ah, mais Tecoman et Manzanillo c'est dans le nord, donc c'est. Ouais, c'est ici, ok. Donc euh... Je suis probablement entre les deux. On verra si on trouve d'autres informations. Pour l'instant. Ah, voilà il y a ça ici Playa Azul On est aussi sur les 200 Alors Playa c'est la plage Ah ouais c'est là D'accord donc on est entre ça et euh... Alors pourquoi on a un... On a deux di dire directions pour euh... Pour ça là Ça c'est peut-être une autre route en vrai Mais c'est flouté Toujours flouté Ouais bon tant pis le fait qu'on ait ça comme ça, c'est peut-être qu'on est proche en vrai. Hein. On est peut-être par là là. Je sais pas. Bon, on va bouger un peu plus parce que j'ai toujours pas trouvé d'objectif dans ce round, malheureusement. Il n'y a pas de distance, 23 km, merci. Oui, il y a des, y a des 200 partout. Hein. Ouais, dans tous les sens, c'est route de C'est bizarre, mais c'est comme ça, PMX, donc sans service, j'ai déjà... L'aéroport. Bah, en fait, c'est ça, ça que j'aimais bien aussi. L'idée, c'est de trouver l'endroit le plus rapidement possible pour euh, voir si derrière il euh, n'y a pas un aéroport pas loin. Ou un rond-point, ce genre de choses. Passage à un niveau, je ne l'ai pas vu non plus de mémoire. J'espère que j'ai pas raté ça quelque part. Dis-moi qu'il y a un autre truc là. Un autre numéro. Oui, oh, il est toujours flouté le numéro de qui m'intéresse à chaque fois, c'est <laughs> flouté, c'est incroyable. C'est celui-là que je veux, là. C'est la 185 locale. Ouais, c'est celle-là. Là, je suis en train d'arriver dessus. Alors, est-ce que ça compte comme un rond-point, ce bidule C'est pas... Ouais, pas un rond-point, ça. Il y a une route au milieu, c'est pas un rond-point. Donc, en tout cas, je sais que je suis là. Donc, je commence dans cette petite bourgade. Bah, je suis à Cero de d'Ortega, alors. a pas un petit fast-food par là, là Qu'est-ce qu'il y a comme restaurant, ici ah, les tacos, c'est du fast-food ou pas Là, je suis dans le bar de... Non, c'est un radar en opération. C'est pas du tout euh, l'endroit où on est. Bon, c'est un peu bizarre. Dis-moi que t'as une distance supérieure à 100. Yes Supérieure à 100. C'est bon. Au moins, j'aurais validé ça. Il bon, n'y a pas un chemin de fer dans la zone Le repoint n'est pas validé. Là, il y a un chemin de fer ici. Ah non, c'est un aéroport est-ce que je peux aller le voir Il reste plus que 25 secondes. Terrible. Terrible, terrible. Ouais, je vais me mettre là. On verra après. Tant pis, si j'ai pas les 5000, c'est pas grave. De toute façon les 25000, c'est mort. Euh, par contre, après le rond-point là il y a un, un, un aéroport là-bas. Enfin c'est une piste. Est-ce qu'on peut le voir attends Pour le valider. Ah non c'est trop tard, là on est encore... Euh, on est encore ici là. Dommage, parce que ça c'est un aéroport, là. Le, petit, le petit rectangle gris comme ça c'est un aéroport. C'est dommage que j'ai pas pu le voir, et puis là il y avait un truc aéro, aérodrome aussi là, il y a une icône un d'aéroport. Et là aussi, ah là. Oh, terrible, il y en avait tellement, <laughs> c'était tout, tout à côté. Hein. Dommage, bon il était bien ici, je peux eu les 5000 mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, euh, j'aurais pas les 25000 mots de base donc je m'en fiche. Bon j'aurais validé quoi Un seul truc hein, ici. Hein. Le panneau avec une distance de plus de 100 km. Hein. Ouais, pas, pas fou pour les, les objectifs. Je compense avec un bon score en moins. Alors aussi, on a une sacrée route quand même. Oula, c'est quoi C'est un peu espagnol, j'ai l'impression, au niveau du style. Ouais, ça va être l'Espagne. Peut-être même même en, même Andorre, en vrai. Hein. On va voir ça. Euh, Sanctuary de Colonelich. Robert, c'est pas... C'est du catalan, donc c'est peut-être le... Pose de civil, ça c'est un... C'est dans la région de l'Andorre aussi. Donc on est sûrement en Andorre, ça c'est ici mais c'est en Espagne mais après, on est sûrement quelque part là-dedans. Donc je vais plutôt aller vers le sud, on va descendre, on va essayer de trouver. Et pas de chemin de fer là-bas je crois. Hein. Non bah ben non parce que je suis déjà allé en Andorre et en train justement et le, la gare la plus proche c'est en France. Donc on n'aura pas le temps d'y aller. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Rond-point, ça par contre il y en a plein en Andorre donc il faut vraiment que j'arrive au bout de la route pour en trouver un. Alors déjà, 4 km de ça, donc je vais me mettre par ici, je pense que je commande cette rue-là hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre hein Une fontaine, je crois pas qu'on en aura, péage non plus, rond-point, donc j'essaie je d'en trouver un, fast-food, bah en dehors la vieille, il y a, il y a des fast food donc peut-être qu'on va y arriver. Hein. Je sais pas si on va directement, non on va pas directement en dehors la vieille, donc c'est pas possible. Donc, pour l'instant, je me contente de descendre la montagne. Les tunnels, les tunnels, dans, cette, dans ce pays, les tunnels il y en a aussi. Hein. Est-ce que dans cette route il y a un tunnel qui m'attend Pas du tout, terrible. C'est pas la bonne route, il y a des tunnels mais c'est pas ici. C'est dommage, hein. il, y a, il y a plein de potentiel dans ce, dans ce pays, mais euh, Mais voilà quoi, il n'y a pas. Je ne suis pas au bon endroit. Et en attendant, la voiture de police, je l'ai pas trouvé non plus. Passage à niveau on n'en aura pas, aéroport on n'en aura pas, il n'y en a pas en, en dehors de mémoire. Euh, Needpool, euh, bah les routes Andorraines sont très très bonnes donc... Euh, ça me... En vrai les Needpool on en a sûrement vu passer plusieurs et j'ai pas fait gaffe. Là il y a un rond-point je valide. Euh, rond-point. Alors... On est ici. Où oui, est le tunnel le plus proche Moi c'est ça qui m'intéresse. Je crois que vers le, le sud il n'y en a pas et vers le nord il y en a ou pas n'en vois pas du tout. Hein. Il est là le plus proche, mais c'est à, à la capitale. Euh, ouais, bon, on va essayer. Il n'y a pas de péage de mémoire, quoique... Oh, attendez, il y a un tunnel là-bas. Si, si, il y a un tunnel qui est juste là. là. On peut y aller ou pas Oui, on peut y aller. Allez, vas-y, rentre dans le tunnel. C'est bon. Tunnel validé. Alors, on n'est pas obligé d'entrer de dedans en vrai pour le valider, hein, mais... Euh... Mais bon, voilà, c'est pour être sûr qu'il y ait vraiment un tunnel. Alors, je suis où là Ah oui, je suis là-dedans. Il est là. Donc ça, c'est bien. Je crois qu'il y a un péage vers la frontière. Je vais aller voir ça. J'ai plus besoin d'aller au nord. Le fast food, je compte sur les deux rangs suivants. Hein. Ah bah non, il y dit le round 4, donc ce sera le dernier round on verra bien. Sauf s'il y en a un par là. Donc là, je suis. Ah, attendez, il y en avait un juste ici. Ah bah, il a... bah oui, justement, c'est par là que je suis allé. Euh, J'ai vu un McDo il est où Attendez, il est là. C'est vers là. Oh il y a un McDo par ici normalement. Alors, où est-ce qu'il est, qu il est il faut absolument que je, le, que je le voie. Je le loupe pas. Je rappelle que le voir sur la carte n'est pas suffisant. Hein. Là, il y a le du pays si qu'on vous voulez. là Non, ça par contre, je ne veux pas. Je suis où là bah, Je crois que je suis juste à côté en fait. Le McDo il est là. Yes Fast Food validé. C'est cool, on continue. Allez, dis-moi qu'il y a un péage pas loin maintenant vers l'Espagne là. Commercial. Alors de la station-service, il y en a hein. pas d'entre de ville j'ai vu passer aussi, donc ça c'est bon. Là il y a l'éclair. Il me semble qu'il y a un sort de péage. Alors je sais pas si c'est un péage ou un poste frontière en réalité. Je vais, je vais aller voir parce que je suis pas sûr. Mais je sais qu'il y a un truc par là-bas. Donc, Des rompons ça c'est bon. J'ai toujours pas vu de. de cascades. Ah les cascades, mince J'aurais pu renvoyer des cascades, je pense. C'est dommage. Ça c'est un péage ou c'est un poste frontière à votre avis Est-ce qu'on doit... Est qu doit donner de l'argent ou pas <laughs> C'est ça qui est... La question c'est ça en fait. Est-ce qu'on doit donner de l'argent ou pas Pour moi j'ai l'impression que c'est plutôt un poste frontière et qu'en fait c'est un contrôle. Et qu'il n'y a pas plus que, que ça. Bon, je valide la voiture de police en moins elle est là. Voilà, ça c'est bon, c'est validé. Euh, voilà. Par contre, poste front... enfin un péage. Pour moi, ça c'est pas un péage, c'est une c'est un poste frontière donc je vais pas valider parce que je sais pas. Euh, ok, donc 5000 50 points ici, ça me fera un point supplémentaire pour le score final. Par contre, c'est vrai que j'ai pas pensé aux au cascades, mais là c'était vraiment l'endroit pour ça en vrai. Hmm. Aéroport, je sais que je n'en aurais pas eu. Passage à niveau, pareil. La fontaine, la d'être en ville, à mon avis, on ne trouvera pas. Mais c'est vrai que la cascade, ça c'est une erreur de ma part, j'aurais dû y penser. Parce que la cascade, il plein, il y a des torrents dans de tous Bon, c'est pas grave, j'ai quand même validé pas mal d'objectifs dans ce round, c'était cool. Donc là, il me reste quoi Il me reste fontaine, pH, cascade, aéroport, nid de et le passage à niveau. Le nid de franchement, si je ne le trouve pas, c'est quand même scandaleux. Parce qu'on en voit normalement tout le temps. Je suis sûr que j'en ai vu plein et que je n'ai pas pensé à le valider. Mais ça, ça fait partie du, euh, du défi. Hein. Si jamais on oublie euh, de, de vérifier un truc, euh, il faut y penser. Allez, on va allier, on, on passe au dernier, pardon. Voilà, sur une note comme ça, il y aura des nids de poules, c'est sûr. On est quoi en Jordanie Je regarde ce panneau. Ta, tafila. Ouais, c'est en Jordanie ou pas Tafila la Tafila, c'est là, donc c'est bien la Jordanie. Ok, très bien. Allez, un petit nid de poule ou pas Là, il y a la craquelure. En fait, le problème, c'est que j'ai le script qui cache la voiture. Et ça m'empêche de voir les nids de poule un peu. C'est un peu ça qui me gêne aussi. J'ai de désactiver ce script. Pour ce défi-là. Là, euh, là c'est de la craquelure. C'est pas du nid de poule encore. Non, ça, c'est une ombre. Bon, qu'est-ce qu'il me faut d'autre Un chemin de fer. Alors, est-ce qu'il y a des chemins de fer en Jordanie Je ne pense pas, mais je vais quand même vérifier. De même, il n'y en a pas, hein. Non, bon bah chemin de fer je pense qu'on pourra oublier, la fontaine aussi, hein. je, je doute quand j'en trouverai une par là. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, Le péage, alors le péage... Je pense pas qu'il y en ait en Jordanie malheureusement. C'est dommage quand même, hein. la cascade euh, j'en retrouverai pas non plus. L'aéroport éventuellement, mais il faudra vraiment que je trouve d'abord où je suis pour voir où est-ce qu'il est. Et enfin, euh, bah alors, je pense que le seul truc que je trouvais, c'est un nid de poule. Hein. Je me focus là-dessus et puis on verra le reste. Hein. Même si c'est qu'un point. C'est toujours ça de prix. Et puis voilà. Alors où est-ce qu'on est, qu est Je veux des panneaux qui me disent exactement où je suis. Donc Al-Talifa c'est au nord. Donc là je suis au sud de ça. Et après j'ai Al-Arir, Al-Ala et al -Bayda. Hum, Ouais, mais ça je sais pas où c'est. Là, c'est Petra. Je vais regarder l'autre côté s'il y en a un. Il y a Atalifa et Alice. Moi, je veux ce côté-là pour voir ce qu'il y a de, derrière nous en fait. Eh ben non Hein, hein Au prix, il y a Aman vers le sud et Atalifa vers le nord alors que. Alors que c'est totalement l'inverse sur la carte. Mmh. Ah non, attendez, il y a Akaba, ça c'est dans le sud, ça c'est bon. Akaba c'est de là. Il y a Amam et à mon avis c'est pour accéder à une autoroute qui va vers le nord après. On peut y aller par là, hein non, on peut y aller. Ouais, je pense que ça va être ça. Donc on est bien au sud d'Atalifa, de, de mais maintenant il faut trouver... Euh... Ouais, J'ai toujours pas trouvé de, de poule hein, en vrai. Hein. C'est pas si évident que ça en soi. Hein. Attends, il y a une petite route comme ça, là, il n'y a pas des petits nid de petites Nidpool, là, ils sont bouchés. Mais ça c'est une route en terre, c'est pas vraiment... Euh... Il y en a un là, il est petit mais il est là. Allez, je pense que je vais valider ça, c'est un bon nid de poule. Hein. On va le valider ici. Euh, bon, bah, maintenant le reste. Le reste, le reste. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas de chemin de fer malheureusement en Jordanie. Il n'y a pas de péage, je pense pas non plus qu'il y en ait. Ah, c'est pas le, round de, le dernier round parfait, hein, clairement. On aurait pu espérer mieux pour ça, mais tant pis. Mespie of Greater ok, donc je suis en train d'y entrer là. Donc je commence quelque part là, en ces zones-là. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans euh, Franchement, par une fontaine, euh, <laughs> je vois pas ce que je pourrais trouver. Et encore une fontaine. Je suis à 10 km d'Al-Talifa. Donc, euh, ouais. Hmm. Là, il y a plein de villes d'un coup. Bon, je pense pas que je trouverai d'autres objectifs. Et puis après il y a l'aéroport. Mais alors l'aéroport le plus proche, est-ce qu'à Talifa il y a un aéroport Il y a une université. Pas ce truc, je sais pas ce que c'est. J'ai pas l'impression qu'il y a un aéroport. Non. Même pas un petit truc local, je pense. Dommage. Je crois que l'aéroport il, il, il y en a un à Amman, il y en a peut-être un ici aussi. Éventuellement, mais ça à peu près tout hein. Je connais pas trop le, les aéroports en Jordanie. Bon donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir au point de départ et puis on va essayer de. Maximiser les points, mais de toute façon. Ah ouais si, il faut que j'ai au moins 4500 points pour avoir le 20 000. Hein. Ça me permettra de gagner un point supplémentaire, hein. ça sera pas mal. Zubna, c'est où ça? Je sais pas si je suis trop proche de ça. On va voir. Il n'y a plus de temps. Euh, ah bah en fait non, j'étais pas sur la bonne route, c'est pour ça. Dans tous les cas, euh, niveau point c'est suffisant. Et puis de ce côté-là, je pense pas qu'on aurait pu avoir de, de quoi faire des objectifs supplémentaires. Il y a un chemin de fer au sud, hein, zut hein. Là il y avait le, le passage à niveau. Hein. Après, niveau distance, à mon avis, c'est trop juste. Je ne pense pas y arriver en 5 minutes. Si je savais directement qu'au sud, il y avait un chemin de fer et que je tracé jusqu'au bout pour y arriver, éventuellement, ça serait passé. Mais à mon avis, on est trop loin de ça. Donc, ouais. Je ne pense pas que j'aurais pu avoir un objectif supplémentaire ici, malheureusement. C'est dommage parce que l'aéroport, au rang 1, on le, voit, on le voit très très bien. Enfin, on peut l'avoir très facilement. L'aéroport, il est juste là, là. Et vous voyez, j'ai fait le bon chemin. Je sais juste qu'ici, au lieu d'aller à droite, je suis allé à gauche. Et j'ai vu le panneau à l'aéroport mais malheureusement il fallait tourner là et moi je suis revenu directement au point de départ pour aller vers le sud. Et là forcément il n'y avait rien. Bon après le premier round était quand même pas mal en termes d'objectifs, j'ai complété pas mal de choses. Et puis euh, les suivants j'ai quand même gagné les points. Alors par contre voilà, les points ça coûtait cher ici. Mais de toute manière j'ai eu plus de 20 000 points, donc c'est le maximum que je pouvais faire euh, dans l'éventualité où j'avais pas de score parfait partout hein, parce que sinon c'était 25 000. Donc ça passe on va dire.

4 points parce que j'ai atteint les les 20 000 les points donc 5, 10, 15, 20, 4 points. Donc ça fait 48, 49, 50, 51. Donc 51 points, ça sera mon score euh, pour cette partie. Donc euh, si vous avez participé, à vous de compter vos points et de partager votre score en commentaire tout simplement. Donc euh, 51 points c'est mon score à moi. Si vous avez fait plus bravo à vous. Parce que c'était pas si évident que ça. Je pense que ouais, au moins on, 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 on trouvé le passage à niveau. Et l'aéroport c'est de se trouver, les autres j'avoue que c'est un peu compliqué, la fontaine c'est pas évident que ça. Je pense que la fontaine en 10 points serait peut-être pas euh, aberrant, plutôt que 5 points. Et le tunnel en 5, le tunnel resterait bien en 10, peut-être cheval en 5, je sais pas trop. En tout cas, euh, j'ai quasiment fait tous les objectifs, si il m'en manquait juste que 5. Et puis voilà, donc 51 points pour moi, partagez vos scores en commentaire si vous avez participé, si vous le souhaitez. Et puis... Euh, si vous avez des suggestions pour des trucs à trouver, vous pouvez toujours aussi les mettre en commentaire si, euh, si vous voulez. J'ai déjà une longue liste, mais euh, on n'est jamais à court d'idées, j'imagine. Donc vous pouvez toujours en proposer derrière. Euh, et je verrai si euh, c'est intéressant ou non. Et puis voilà, donc moi je dis merci à vous. Et on se retrouve à la prochaine.